Yop les gars, c'est Punkill, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo sur Warzone où j'ai décidé d'être transparent avec vous. Je l'étais depuis le début, donc je vois pas pourquoi je le serais pas par rapport à ça. Depuis quelques jours, quelques semaines du coup maintenant pour nous, voire même quelques mois pour les Américains, les gros joueurs utilisent des VPN pour trouver des meilleurs lobbies, pour du coup affronter des mecs moins forts et les exploser et rentrer des grosses parties. Et c'est donc comme ça que tous les tournois Warzone américains, je précise, pas européens, ont été gagnés. Sauf un, apparemment il y aurait un seul tournoi depuis 10 mois qui n'aurait pas été gagné comme ça aux States. En gros, les mecs ont des VPN, des nets du mal, etc. S'ils se retrouvent dans des pays lointains où il n'y a pas beaucoup de joueurs, et du coup, c'est... En fait, c'est pas qu'ils tombent que contre des noobs, c'est qu'ils tombent sur des serveurs où, en gros, le skills-based matchmaking, donc le SBMM, j'expliquerai pas ce que ça veut dire parce que c'est très long, mais en gros, n'existe pas tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, la population est trop faible pour que le SBMM puisse prendre place. Et donc du coup, ils se retrouvent avec des lobbies, avec des mecs nuls, avec des mecs moyens, avec des mecs parfois forts. Mais quand t'es très très fort, qu'il y ait une ou deux teams par lobby forte, ça gêne pas beaucoup à rentrer une grosse partie. Et c'est comme ça que les Américains rentrent des 50, 60 kills, etc. Et donc, ça vous ne le savez pas depuis le début, et nous, on l'a appris très récemment. Nous, on était persuadés en fait que les mecs avaient juste des lobbies nord-américains vraiment très bas. Et du coup, nous-mêmes, il y a quelques mois, on prenait des VPN pour aller jouer sur leur serveur. Et bon, certes, c'était déjà mieux parce que le niveau là-bas, moi je suis persuadé qu'il est quand même plus faible qu'en Europe. Mais il n'y avait pas non plus une grande différence. Même si on arrivait à rentrer des petites parties sympas, on rentrait pas des 30 kills à chaque lobby. Alors que eux, pourtant, ils rentrent des 30, 40, 50, 60. Et on se disait, mais comment est-ce que c'est possible? Et donc, il y a quelques semaines maintenant, peut-être un mois même maintenant, il y a des Français qui ont fait un test où ils ont lancé un petit VPN qui s'appelle ExpressVPN et qui sont partis sur des serveurs égyptiens. Égyptien, capitaine! Égyptien! Vous l'avez sûrement vu dans les vidéos de Gotaga, Loclear, peut-être même Squeezie du coup, où eux aussi le font, ils le mettent en grand dans le titre, après ils précisent pas trop comment est-ce que ça marche, et donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Dans tous les gameplays que vous allez visionner juste après, ça sera des gameplays du coup sur des lobbies égyptiens, on va appeler ça des lobbies égyptiens. Égyptien, ça c'est bon ça. Les mecs qu'on affronte, c'est pas des Égyptiens, j'y reviendrai juste après. Et en gros, je vous montre que c'est clairement plus facile, on rentre des 35-40 kills, alors qu'on est là, on regarde l'écran, hop, on regarde le chat. On regarde l'écran, on regarde le chat. Alors que nous, sur nos serveurs, si on veut rentrer une bonne game, le chat, je peux l'oublier. Tous les viewers qui me regardent, je peux les oublier. Je me concentre à fond dans le jeu, parce que clairement, la moindre erreur me sera fatale. Alors que du coup, si je me joue sur des serveurs égyptiens, on va appeler ça comme ça, hein, où il n'y a pas de SBMM, ou alors il est très 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 faible, qu'il n'y a pas assez de joueurs, ça va être beaucoup plus facile, les mecs seront soit moyens, soit nuls, enfin à mon niveau bien sûr, et donc ça sera beaucoup plus facile pour moi, même je pourrais lancer du solo quatuor, alors que sur mes serveurs, même faire de la solo, enfin du solo duo plutôt, solo il n'y a pas de SBMM aussi, mais faire du solo duo, ça va être super compliqué, parce que je vais affronter deux mecs qui ont mon niveau, plus ou un tout petit peu en dessous. Donc c'est vraiment trop compliqué, c'est infaisable. Et si je veux animer et parler à mon stream en même temps, je peux juste pas en fait. Et donc bref, si je vous dis ça aujourd'hui les gars, c'est parce que j'ai décidé de vous expliquer comment est-ce qu'on procède à ça. De toute façon maintenant, Gotaga en a parlé. Bon, il a pas expliqué comment on faisait, mais bon, il y a pas mal de personnes qui le font déjà. Et maintenant même les serveurs égyptiens, ils sont un petit peu pollués par les bons joueurs. Tout simplement parce qu'il y a tellement de mecs qui sont sur les VPN maintenant que c'est hyper compliqué. Mais si vous souhaitez du coup essayer, j'ai contacté ExpressVPN parce que c'est clairement... J'en ai testé 4 hein, des VPN, j'en ai testé 4. Je dirais pas les noms, mais les VPN connus fonctionnent pas. T'as un ping trop élevé, je trouve pas de partie, c'est vraiment nul. Le seul qui marche vraiment pour le gaming, c'est ExpressVPN. Et du coup, je les ai contactés pour avoir un petit lien d'affiliation. Donc si vous souhaitez télécharger ExpressVPN pour vous rendre sur les lobbies égyptiens et ainsi rentrer des grosses parties, vous aurez du coup une petite réduction avec mon lien. Moi derrière, je génère un petit pourcentage derrière, donc c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, je vous informe du coup en même temps. Et donc si je dis pas de bêtises, si vous prenez un an, il y a 3 mois offerts. Et comme le SBMM n'est pas prêt de partir, prendre un an, c'est peut-être la meilleure solution. Si vous prenez un mois, je crois qu'il y a peut-être une réduction aussi. Enfin bref, le lien se trouve en description les gars. Et bref, juste avant qu'on passe au gros gameplay, du coup, juste après, juste tiens, vous préciser, du coup, qu'on joue pas contre des Égyptiens. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on se géolocalise au Caire, donc en Égypte. Donc là-bas, il n'y a pas assez de joueurs pour nous mettre sur des serveurs égyptiens. Donc les vrais Égyptiens qui jouent là-bas, eux, ils se retrouvent sur des serveurs européens, mélangés du coup avec des Espagnols, des Italiens, des Suisses, des Français, des Belges, etc., des Anglais. Il y a vraiment tout, c'est un serveur en fait classique. Mais du coup, sans SBMM, ce qui fait que des fois, les mecs sont super nuls, des fois, les mecs sont moyens, des fois, les mecs sont forts. Et pour moi, Warzone devrait être comme ça, le multijoueur devrait être comme ça. Pour moi, le SBMM n'a pas sa place dans le jeu, vous le savez, j'ai déjà dit dans plein de vidéos. Je sais que certains ne sont pas du même avis. Je vous mettrai en description un petit passe-bin qui a été rédigé par Iken, qui est un autre YouTuber, concernant le SBMM. Et je pense qu'après ça,
Vous avez changé d'avis, du moins. Bref, les gars, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Je vous le reprécise, du coup, vous pouvez le faire sur PC et sur PS4 si vous avez un petit stratagème. En gros, vous lancez le VPN sur le PC. En Ethernet, vous vous branchez, du coup, du PC à la PS4, c'est un peu compliqué, ou avec le téléphone. Bref, les deux cheminants, normalement, marchent. Et donc, vous allez voir dans le gameplay, même avec le VPN, j'ai 25-32 ping, donc c'est vraiment super bas. Bref, je te laisse maintenant avec le gameplay. Mais avant, s'il te plaît, laisse-moi un petit like et un commentaire pour les référencements, ça me ferait super plaisir. Tu peux également venir me rejoindre sur Twitch et tous mes réseaux qui se trouvent en description. Et maintenant, j'arrête de parler et je te laisse profiter de ces magnifiques gameplays. Oh là là, et j'oubliais presque avant que les rageux commentent. Ah, mais c'est pour ça que vous avez gagné tous les tournois Warzone. Non, on a gagné 5-6 tournois Warzone avec l'Apex et 0 utilisation de VPN. Vous pouvez le vérifier sur SBMM Warzone. Davzor, donc, qui est le créateur du site, d'ailleurs qui est belge, et qui fait des vidéos en français sur YouTube, l'a prouvé dans une de ses vidéos. Et donc, c'est écrit noir sur blanc qu'on s'est tapé du lobby de Diamant 1, Diamant 2, où en gros les mecs étaient chauds comme nous. Et on a quand même gagné tous les tournois. Donc les rageux, je suis désolé. Vous ne pourrez pas sortir cet argument maintenant. C'est dans 1h30 le couvre-feu là. Couvre-fire ? Yes. Couvre-fire. On dit couvre-fire ici, point kill. Il est sur moi, je vais me faire enculer, je vais mourir. Ils sont deux. Ah, un go, direct à gauche et en fond. Il est sur moi. Oh, il passe à travers. Je pars. Il y en a un autre, gros, il y en a un autre. Ils sont touchés. Derrière, au même endroit, gros, derrière toi, derrière toi. Encore deux. Trois. Contact. Je suis derrière le mur. Oh. Le mec il passe à travers la putain de porte, gros. Oh mais le serveur il bug de ouf là. Oh ouais, on a essayé le bâtard. Bon, go faire. Oh, man. Je suis au point. Faut partir du skatepark. Je suis au point, j'ai perdu. Non. Il guette. Toujours mid. Le bus il va à droite. Il est à droite au fond. Il revient vers mid. Il est slow. Oh, j'ai envie de rider le U du parc là. Putain de merde. Eh hey mec, t'as peine roulé. J'ai perdu mon goulag. Oh là là, je suis honteux. C'est honteux. Oh, on a c'est pour la classe, toi. Inch'Allah, hein. Ah, t'appuies sur Alt F3, frérot. Regarde. T'appuies sur Alt F3, regarde. Alt F3, hop. C'est ça qui s'active et tu les mets là. Ça prend l'hélico pour des trucs à 2 secondes. Pas du tout écolo ça. Cible mise à prix identifiée. Vous pouvez engager l'ennemi. C'est bien beau. C'est bien beau. Le truc c'est chiant, c'est quand tu prends le VPN, t'es désavantagé. Enfin, t'as les pertes de paquets quoi. Ah ouais, il est pas là. Il est dedans encore son pote. Para. Incroyable, j'ai tout vu. Il n'y en a pas un qui bougeait, gros. A few moments later. Bon, allez, Vin Diesel, là, go. Oh, c'est dans le tunnel en plus. Putain. T'inquiète. Et saute en plus, hein. Attends, on joue en piège. Vas-y, sauvons, go. Oh là là, faut pas vite. Oh là là. C'est archi stylé. Oh derrière. C'est fou de ouf. Terminé derrière. Vas-y, continue, avance. Cavale. Ouais, peut... Encore. Nice. Il est tombé. Derrière. C'est bon, terminé. Oh putain, la quicheta de ouf. Oh la quicheta de ouf. Ouais, mais c'est bien le mode pillage. On va où maintenant? C'est quoi le plan? Il y a des pélos ici là. Ça point vert. Ouais. Après, on n'est pas tous obligés d'y aller. Ton point vert, il est de côté. Comme ça. Sur ma map, il est de côté. Mais maintenant, comme si tu l'avais tourné. Ça a aucun putain de sens. C'est bien beau. Point bleu, non? Ouais, il est en poste là. Putain. Me dirige par là. Bon, là, je pense que je dois aller tuer avant le patch. Hein. Le drone est à court de carburant. Ah, il est scope. Ouais, je le voyais juste derrière le bat là. Il est dedans. Oh, son pote. Oh.
Je le push, je le push, je le push. Il y a 2 HP, il y a 2 HP. C'est bon, c'est bon. Bah, il y en a un autre. Mais c'est bien, un mec. Y'en a encore ? Quoi ? Y'en a encore un ou pas ? J'en ai tué 3 là. Des pertes de paquets, c'est chiant par contre. Oh, en face, en face. J'ai une cible ici, je balance une grenade paralysante. Il part. Y'a un HP gros. J'ai marqué une cible. Je vais remettre des drones. Vas-y. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Ouais, les mecs, maintenant dans la camion, on va être invincible, gros. On va sur la prime ou quoi ? Ah, elle est loin. Oh ! Y'a un mec, les gars, y'a un mec, hein. Ouais, qu'est-ce qui a fait ça ? Y'a un mec, wesh. Et on l'a capté, du coup. Je le vois pas, hein. Franchement, Trophy nous a sauvés, hein. Balance une grenade paralysante ! Je crois qu'il est. Le drone est à court de carburant. Il rentre, se ravitailler. Mais il est dans les airs, lui. Ah, je comprends pas ce que c'est, gros. C'est pas une mine, une clé mort, un truc comme ça ? Ça marche pas, ça. Je sais pas, hein. Vas-y, go la Jeep. Ouais. C'est quand même louche, hein. Bizarre. Bizarre, c'est ce Y'a un mec, non, c'est. C'est un bizarre véhicule. Ah. Parce que tu mets, on est riche. Bon. Très très bon travail. La prime, Vas-y, je prends la prime. Je prends. Vas-y, go la prime. Hein. Je récupère, coup, vas-y. Let's go. Mon pote, il veut pas de toi, gros. Ça va, lui. Moi, même si tu perds tes globes au point, tu pourras venir. À l'abordage. Paré à l'abordage, papa. Souquez les Artemus. Par là. En face, là. Je dis. Oh, mon plus gros est tellement violent, gros, mon viseur il a disparu. Hein. Garde. Un mec là. Aimbot activated. Wow. Hélico dessus. Merci les 13, mon frérot. Je suis débarré. Merci les 13, ouais, j'étais pas prêt, frérot. Bref, dans les pas encore. J'ai tourné la tête, j'ai fait wouh. À terre. Merci les 13. Merci, mon ref. Ok, drop. Il est dans le blanc, il est dans le blanc. C'est vraiment le seul truc qui est chiant pour le patch maintenant. C'est ça, hein. Merci frérot, on a les 850 putain, du coup. J'ai trop hâte de m'acheter mon putain de jeans. Ça vous dit, on kill un peu là ? Oh putain, Silo, il y avait l'allemand, gros. Combien de navires, Baba ? Bon, ils sont en formation torture. Et seul, capitaine ! Tout petit vu d'ici ! Pourquoi ? Un break, hein. Il est mort, je comprends pas, mais pourquoi t'es pas pu sur la map? Aimbot activated. Ouais, Matt. Ah, j'ai des sales lags. Est-ce que le train de la hype c'est tous les jours ou. Je sais pas, ouais, c'est trop bizarre, moi. Il s'active trop facilement. Parce que là, ouais. Bah là, il s'est pas activé du tout alors que. T'as des difficultés, tu peux mettre en faible, moyen ou haut. Et faible, si vous, ça, donne, ça incite les gens à donner, donc on va le laisser. Y'a un mec qui vient de spawn. Y'a un mec droit devant, je le vois pas. Ouais, ben, ouais, c'est. Ouais, il est dans sur toi, là. Là dedans, il y a un trou là, j'avais pas vu. Il y a un pelo qui vient de pop là, point violet. Hein. Top là, ça y a toujours du monde, non wow. C'est un explosé. Cassez le shield. Un mort de. Son pote est mort. Hein. On fait gaffe. Attends, coup. Oula, je me fais full diff, ce mec, au-dessus. J'ai encore absorbé, j'essaye. Ah gros, ça bug trop. C'est gros, c'est comment il me tue. Comment. Essaye de revenir en haut, coupe si tu peux. Attends. Oh, c'est bon, je crois. En vrai, je suis safe là. Ça bug trop, gros. La vie de ma mère, ça bug trop. Je te récupère, mec. Il y a 3, gros. Si tu peux mettre un drone aussi, je suis chaud. Je peux pas, là, je dois rester 20. Ok. C'est la merde.
Attendez, je vais essayer. Ok, attends. Run. Vas-y, ok, c'est avec rouge. Et zone. Non, encore, c'est pas possible. Encore un là-bas, gros. 100%. Putain, d'ailleurs, j'espère que la sacoche. Aimbot activated. Oh, c'est à moi. Oh, d'enculé! Oh, j'ai poussé sur les champs, par contre. Comment? Ah, ouais, ça se voit, t'as les nerfs, gros. Tranquille, frérot. Ah, ouais, j'ai mis une dinguerie, par contre. Là. Oh, ouais. À droite, ça passe, gros coup. Gros coup. Gros coup, à droite. Il passe à droite encore. Akuba yo-yo. Un combat coup, s'il te plaît. Ah, sur moi, carrément aussi. Ouais, sur moi, il y en a deux, gros. Akuba yo-yo. On joue à gauche. Je récupère juste ma Mac 10. Mon putain de Mac 11. Dans la sauce. J'ai une cible. Noob sur Warzone. D'accord, il est là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, gros? Il est en l'air, l'autre. Je crois qu'il a bug, hein. Il était trop mignon, en tout cas. Mais je sais pas non plus, gros. Ah, mais... Oula, frérot. Bah, il est arrivé. Il est break. Ah, je suis mort. Bon, je l'ai hit, c'est encore. Oh, par contre, c'est les Navy, faites gaffe, là, ceux qu'on spawn. Eux, ils sont chauds, là. Oh oui. Non mais c'est genre c'est très hard quoi. Submergé par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Ils sont où les mecs? Je sais pas. Je te regarde, gros coup. Ah ouais, à chaque fois qu'il dit ça, il a fait. À chaque fois qu'il dit ça, je regarde mon ventre en mode. C'est pas si gros que ça, gros. Ça me pick up les frères ou quoi là? Ça me pick up. Qu'est-ce que vous faites? Pick up. Pick up bro, please. Ah les gars, c'est pas patché hein, vous voyez comme ouais, moi. Ouais, je vais sur le largage. Vas-y, gros. J'ai une frappe pour le top, gros, Sylvan. C'est toi la frappe. Bah, mets-la maintenant. Sûr, à droite. Sur. Ça a sauté, ça a sauté, je l'ai mis, j'ai mis ça a sauté, gros. Alors déjà. Oh, je vais me la prendre dans ma grosse daronne. Ah, inter. Mais comment? Thanatos, je te baisse ton cul. Ils ont mis double Betty et tout, voilà. On t'en met dans l'escalier. Dans l'escalier, il y a un qui court sur le côté gauche, là, ici, là. Ah bah, je t'ai rien. Battu. Oh, et dedans, attends. Oh, je vais monter un bolet. Oh. Il y a sur les deux toits, les gars. Ah non, ici, là, ou à droite. Ça arrive, là. Ça arrive, ça full raid ici, gros. Ça bug, putain. On est 100%. Nice, ok, vie. On passe à l'inter, ici là. Ah oh, mais y'a pas rien ici en fait. On passe, y'a pas un mec. Y'a un mec. À terre. Je suis en train de rush. Il va serrer, je sais pas, il y a un mec sur lui là, à l'instant. Je grenade hein. Shield break. Prends l'arrêt, ça arrête déjà. Tout pour gros. Vas-y. Gardez ma longue, s'il vous plaît. Putain. Je repars. Encore un. Ouais. On dirait qu'il s'invoque les Hunters quand même, hein! Les Gaulois! Non, il est pas break! Enfin, pas là, je veux dire. Reste pas un là? Y'a pas eu white quand j'ai tué les deux. Hein. Je vois pas, gros. Je sais pas. Vas-y, gros coup. 3 kills, les mecs, je suis bien là! Moi, bon, je suis à 6. Ah, mais j'aime bien. J'ai rêvé de mettre des largages. Je me fais porter en haut là. Ici là. Terminé. Ok, nice. On est 4v3. Oh. Non, on joue collé un peu au cas où là. Non, je vous avez eu point bleu et tout là. C'est ça. Point bleu, c'est des mecs au top qui est mort. Ok. Ouais, il y en avait un. Il avait l'air de tirer sur la concession. Il y a des mecs derrière, je crois. Ouais. C'est break, c'est une balle. Il y en a un à l'étage. Ok. Voilà, j'aime bien. Ah, il bug de ouf le cerveau. Ouais, on est d'accord, ça bug sa mère. Mais moi, je bug 0, je comprends pas. Un mort au top. Mec, il croit vers moi. Intérieur, je break. Vas-y, coupe du bot. Intérieur. Tu m'as fait une offrande. La game était grave intense, mais on a pas beaucoup de kills. Enfin, pas beaucoup. J'en ai 25, quoi. Je sais pas.
Parce que la game d'avant là où on fait 25 kills, elle était intense mais on meurt. Celle d'avant on fait 23 mais j'ai l'impression de rien faire dans la game. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, les gameplays étaient plutôt gros aujourd'hui du coup vu que les mecs étaient moins forts. Je vous invite maintenant à mettre un petit like et un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Tu peux écrire Égypte en majuscule dans ton commentaire pour que je vois les vrais fidèles qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Quant à nous les gars, on se dit à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Sur ce les gars, Stephen Kill, ciao tout le monde.